que tu parcours. Le loup par-ci, le loup par-là, c'est ainsi, c'est moi le loup. Le loup qui parle, le loup qui chante et qui rit, c'est moi le loup. Oui, je me sens tellement loup, c'est fou. Oui, je me sens tellement loup, 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 loup. Oui, c'est fou, la vie nous sourit quand on a des amis, parole de loup. Attention à vous, oui, on va s'amuser, voilà le loup. Et voilà, je viens juste de la finir. Waouh, c'est quoi ça? La maquette d'un squelette de Tyrannolurex découvert par des archéologues. Non, c'est vrai? Eh oui, ils explorent le monde pour trouver des trésors du passé. Ce sont eux qui ont découvert les pyramides, par exemple. Et les peintures de loups préhistoriques dans les grottes. Waouh, c'est incroyable. Oh mais oui, par tous mes poils de loup. Ça y est, je sais, je veux être archéologue. Super, je peux être ton assistante, Lou. Oui, d'accord. Mais oui, regarde, une empreinte de lounosaure. Un lounosaure? Mais pourtant, ça grimpe pas aux arbres. Si, regarde, il a grimpé par là. Et puis, il est tombé de l'arbre, comme ça. Et avec le temps, il a été enfoui dans le sol. Juste ici. Ah, pelle. Tiens. Alors, Lou, t'as trouvé quelque chose? Ouais. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Joshua? Oh! Joshua! Alors, c'est toi les traces de pattes? Ben, sûrement, oui. Et hop, et hop, et hop. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là, tous les deux? Ma piscine! Oh, Alfred, tu tombes bien, tu vas assister à la grande découverte du siècle. Non mais vous faites quoi là? Waouh, nous avons là une épée de grand guerrier loup viking. Quoi? L'épée d'un guerrier loup viking dans ma piscine? Oh, mon halter! Super, je l'ai cherché partout. Une antenne de télé qui date du Moyen-Âge. Mais c'est mon râteau. Oh, ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, waouh. Merci, Lou. Mais qu'est-ce que... Désolé, gros Louis. Je crois qu'on a tapé dans ton tuyau. Flûte alors, je voulais découvrir quelque chose de rare, de précieux, quelque chose d'unique. Et en fait, je fais catastrophe sur catastrophe. Dis pas ça, Lou, t'as quand même retrouvé mon halter. Et moi, mon vieux râteau. Oh, tu vois, Lou, t'es doué pour trouver des objets disparus. Alors tu vas quand même pas abandonner maintenant. Mais oui. T'as raison, Titi. Pas question d'abandonner, ça non. Allez, en route. Par contre, j'apprécierais que la prochaine fois, tu évites de creuser dans mon jardin. Et dans le mien aussi. Oh, vous inquiétez pas, les copains, je sais exactement où chercher. C'est dans les vieux puits qu'on trouve souvent des trésors oubliés. Hein? Oh, oh. Fabulous! Un bout de poterie! Oh! Ta-da! Wow. Alors là, bravo, Lou! On dirait les morceaux d'un bol antique!
veux bien que je le reconstitue? En fait, non, finalement, c'est rien. Si, attends, donne-moi la dernière pièce. Mais c'est mon bol de 4 heures que j'aime tant! Ah, t'es sûre? Certaine, même que je le cherchais partout! Lou, c'est toi qui l'as cassé, à vous! T'énerve pas, Titi, on peut peut-être le recoller. Allez! Reviens ici tout de suite! Lou, t'es où? Titi! Titi! Au secours! Je suis coincée au fond du trou! Bouge pas, Titi! Je vais chercher les copains, on va te sortir de là! Vite! Oh, Lou! Titi, je suis trop content! Tu vas bien? Oui! Merci beaucoup! Tu m'as sauvé, Lou! Oh! Et regardez ce que j'ai trouvé qui dépassait au fond du trou! Une très vieille peinture! Mais c'est le portrait que je t'avais fait et que je t'ai offert l'année dernière! Qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Hein? Titi, je veux des explications! Bon, ben, ça y est, je sais. Je veux plus être archéologue. Je suis désolée, grand Louis!